Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nouveau tuto où je vais filmer tout ce que je fais. Comme ça, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Et je me suis demandé qui on pouvait faire. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'écoute de ouf Hamza. Surtout l'album Paradise, que j'ai beaucoup kiffé. Et donc je me suis dit que ce serait lourd de faire une instru dans ce style. Bien douce, mais en même temps un peu turn up. Et donc c'est parti. Ah, l'idée du piano, c'est une bête idée. On se retrouve sur FL. Alors, comme d'hab, tout d'abord, on va ouvrir un petit FL Keys pour trouver une petite mélo. Donc là, je pense qu'on va partir. Je vais peut-être utiliser un arpège. Ok, donc là, on va prendre, je pense, des accords simples. Après, je vais mettre des arpèges. Et avec ça, j'avais envie de rajouter une petite voix. J'aime bien ce délire. Alors, je sais pas si c'est pas un délire fade up, mais j'aime bien un peu le délire. Je sais pas, on va voir, on va trouver de toute façon, au fur et à mesure. Ouf, ça c'est pas mal. Tac. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Là, attends, j'ai une petite tête top mélodie. Non, la dernière note là. Ouh, ça c'est pas mal ça. Ok, hop. Ah, je vais faire ça, je crois. Ouf! Oh, la mélodie est violente! On va l'accélérer un peu. Non, attends. Sinon, on va le laisser comme ça. Ouais, 131, c'est lourd. On va partir sur des petites keys, je pense. Celles-là, je les aime bien, mais on va changer parce que je les utilise trop souvent. On va pas toutes les faire, mais... Ouh, ça, c'est pas mal, ça. Faut être plutôt simple, là. Je crois que je vais ouvrir comment on appelle ça, un arpège. Je vais prendre un arpège direct. Hop. Ouais, tiens, lui. Ouf. On va baisser. Non, c'est Nata. Non, on va aller, c'est vrai. On va mettre un autre arpège. Non, tac, tac, tac. Non, c'est pas lui. Ouais.
Ah, lui, il est pas mal. Ah, je me rappelle, lui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Attends. On va rajouter, tu sais quoi, un piano avec une note grave. Chez Nexus. Nexus, ils ont des bons trucs. Un gros piano là. Tac. Ouais, ça c'est l'or. Genre, on va baisser. Attends. Là, ça bug un peu, mais c'est tranquille. Attends, on va juste enlever le pigment et on va voir si ça bug plus. Un piano quand même. Parce que sinon, il n'y a pas que les arpèges là. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Quelle va retourner sur pigment? J'ai déjà des idées de drum ça. Piano. Sinon, électrique piano, on va voir. Toc. Et on va le mettre en solo. Oh non, c'est lourd ça. Trop long ça, je vais en mettre deux ou trois là. Non, ça c'est violent. C'est lui qui fait tout bugger là. Voilà les gars, je pense qu'en vrai on a tout. Je vais juste peut-être rajouter un peu hop, de pan comme as, pan et vélocité. Wow, et là, en vrai je suis content, la mélo elle est lourde de ouf franchement. Tac 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 tac, hop hop. Là un peu plus de pan et un peu plus de vélocité. Et on va copier ça partout. Tac 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 tac. Et le piano, on va juste le baisser un peu. Doucement, doucement, je vais te mixer toi. Regarde, tu l'enlèves, tout va bien. En fait, je suis parti de l'idée avec la voix là, j'ai changé. J'ai plus envie de faire ça. Attends, mais je sais dire, je voulais l'enregistrer, je peux même pas quoi celle-là. Si je peux ou pas, est-ce que ça. C'est pas grave, ça bug, attends. C'est qu'on va tester. Tac, hop, hop. Ok, ça tu supres. Lui tu l'enlèves. Et lui tu le mets en 25. Ok, là c'est l'or. Je mets du delay. Chorus. Ah,
Ok. Les arpèges, on va juste leur mettre un petit peu d'IQ. Je mets un IQ? J'ai même pas mis d'IQ. Attends, faut mettre un IQ. Hop. On va juste leur mettre un EQ, les arpèges là. Tac. Un petit peu de. Peut-être un petit peu de reverb. Comme as. Voilà. Et on va. On va copier la même chose pour lui. On va le baisser un peu lui. Ah, sauf que lui là, attends. Lui on va le mettre juste avant la basse parce que sinon il y aura des conflits de fréquence. Peut-être. Lui on va lui mettre beaucoup de reverb. Hop. Et du delay aussi de ouf. Ouf. Lui, on va leur copier le même. On va leur enlever le chorus et le delay. Je pense qu'on va rajouter une toute petite flûte. Ok. Ok, là c'est lourd. On va juste rajouter. Attends, 1, 2, 3, 5. Ouais, on va mettre les deux arpèges ensemble, tiens. Hop. Toc, toc. Hop, le piano, tu le mets là. Lui, tu le mets là. Tac. Je vais rajouter une petite flûte de Purity. La petite pan flûte là. Je la trouve lourde, elle. Hop. Hop, hop, hop. Ça, tu vas là-haut. On te coupe ici. Ah, déjà, c'est lourd là. Du coup, la petite Purity. Hop, la petite woodwind, pamphlet 2. Je vais faire une petite top mélodie, genre, enfin vraiment 31. Voilà, je vais aller sur un pattern. Tac, non, je vais prendre le tien parce qu'elle a vu que c'est des arpèges. Ok, tout tout tout. Attends. Attends, on va tester un truc. Faut que ce soit plus court. On va juste tout 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 tout. Attends, c'est pas mal ça, peut-être. En fait, c'est un truc. Non, c'est un ça, on va le mettre là. Voilà.
prêt, hop. Voilà. Ouf. Pour le refrain, celle-là. Ok, bon, on va commencer les drums. Hein. Là, on va faire un truc plutôt simple. Ah, sinon, je mets même pas de kick. Je mets la basse. Attends, hop. Sinon, on va tester. Je vais mettre pas mal comment on appelle ça? De boost. Pour qu'elle tape. Attends, on va tester. Plus de punch. Attends. On va régler ça après, mais attends. Ah oui. Quand même rajouter un petit kick pour rajouter de l'impact. Voir lui. Et là, hop, hop. Non, par contre, là, attends, je suis en train de les faire dans un pattern, c'est pas bon ça. Avec le piano truc. Hop, hop, hop. On va juste mettre celui-là et ça. Ah, ça, c'est génial. Ok, parce que là, vu qu'il y aura le clap après, j'ai pas envie qu'il tape en même temps que le kick et la basse. Hop, et ça, hop, hop. Non, ça j'ai pas fait. Là, un petit arpège. On va faire arpège. Je vais mettre un petit open hat. Non, on va faire contrôle B. Hop. Là,
tiens à faire vraiment simple, les drums, c'est pas. Enfin, les hats. Vas-y, attends, on va essayer comme ça. Et je vais peut-être passer. Voilà, un petit open hat. Hop, 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 et hop. Et là, tum. Y a pas le clap encore, mais. Et attends, on va le rajouter. Ah, lui là. Hop, voilà, hop, 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 hop. Attends. Non, je vais faire ça. Hop, hop. Et non, c'est quoi? Attends, attends, attends. Je vais même faire ça. Hop. Hop là, ça c'est lourd. Un petit peu de. Non. Hop, hop. La vélocité, un tout petit peu. Le pan, ouais, de ouf. Les hâtes, vélocité, pan, hop. Voilà. Ça, on va faire comme as. Voilà, et là, on va faire l'inverse. Tac, tac. Et lui, on va le mettre là. Et là, let's go. Ok, là on va mixer ça. Je vais peut-être faire un petit sidechain. Hop, hop, hop. C'est un fruity limiter. Tac. Tac, 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 tac. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, donc là j'ai changé de kick. Je vais juste modifier un petit truc sur la basse. Hop. Lui, on va lui mettre. C'est quoi le clap? On va lui mettre un peu de délai. Hop. J'ai envie de tester. Non, attends, attends, attends. Non, en fait, non. Non, non, en fait, c'est. C'est pas ouf comme idée, ça. Peut-être un peu de reverb. Ouais. Je vais peut-être mettre un petit effet Trix. Hop. Voilà.
Celle-là, on va lui mettre de la reverb et du delay. Tac, tac. Voilà. Et... Là, on va la baisser un peu la mélo. Tu sais quoi, je crois que je vais changer de basse. Je suis pas satisfait là. Je vais aller dans le drum kit de Hit là. Je prends celle qui sature, je l'aime bien elle. Voilà. Ok, du coup là, on va juste... Attends, on va mettre tout ça dans les patterns destinés. Tac, 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 tac. Ça, dans les claps. Hop, voilà. Les hats, tac, tac. Hop, hot. On met les deux direct. Et là, ça, c'est toutes les perks. Donc... Et on va faire un petit arrangement. Et on aura fini la prod. Alors... tac, on va commencer. Bon, allez, on va le laisser. Je vais pas le mettre tout seul. Non, on va le mettre avec lui. Ok, donc ça on met là. Ah, ça le mettra après. Attends, là, le sidechain il est trop puissant là. Hop. Un petit kick, hop, hop. Non, c'est... Voilà, Thomas. Hop, hop. Et là, on va remettre pattern make unique. Et on va faire pareil à la fin. Attends, comment je fais là? C'est là, ok. Hop. Voilà, et là je remets le piano. Hop, hop.
Tac, 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 tac. On va quand même en mettre un. Je vais mettre. On va mettre lui. Voilà les gars, hop, tac tac, ça on va faire comme as, touc touc, voilà, hop, et là je pense qu'en vrai on a fait l'arrangement, je vais juste attendre, je vais faire un petit, une petite baisse là, ouais. Pour bien qu'on entende que le kick et la basse là, tac tac tac, là tu fais copy value, paste, paste, hop. Voilà. Ok, du coup là on va rajouter, bah du coup des effets, des petits FX, des transitions, et on aura fini. Du coup, tac. Alors, allez, on va le mettre Al. On va aller sur le cal. Oula, il est en quelle note? Non, pas detect pitch. Il est en C, ok. Et on est sur du D. Du coup, c'est. Ah bah c'est juste, oui. Oula, non, c'est pas ça. Ah oui, non, 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 c'est. Voilà. Voilà. On va le baisser. Ah lui je l'aime bien lui franchement. Ouais, on va rajouter. Je vais le mettre. Ouais, ici il sera pas mal. Voilà, comme as. Hop là. Et on va hop. Voilà, comme as. Déjà, là, en vrai, on a des bons trucs, je pense. Attends, lui, si on le calibre, on va voir comment ça sonne. Ah non, c'est lourd. Ah non, c'est lourd, c'est lourd. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? C'est quoi? On va en mettre un ici. Voilà. Voilà. Et on va rajouter juste quelques petits crashs. Ça, je pense que je vais aller sur le drum kit Nova. Et voilà, par exemple, lui, il est pas mal. Hop. Lui, on va le mettre all. Lui, tu fais ça, 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 ça. Hop. Et je vais rajouter, tiens, lui. Voilà. Ah là, c'est pas mal, attends, il faut que je fasse ça.
Ouais, comme As. Hop. Hop. Voilà. Et là, on va mettre le couplet, on enchaîne direct, sauf ça. Et let's go baby. Hop là. hop. Non, hop, hop, hop. Ok. Et c'est bon, je pense, hein. Je vais peut-être rajouter un petit... Voilà, lui. Ok, les gars. Donc là, je pense qu'on a fini. Je vais juste rajouter mon petit tag. Tac, tac, je mets al, hop là, fuite. Ok les gars, donc là on a fini. Ah, en vrai, je suis content. Franchement, l'approche, je la trouve lourde. Je suis content des mélos qu'on a fait. En vrai, le mélo, j'ai trouvé assez rapidement. Les accords assez rapides. Et après, l'idée de la top mélodie, je l'ai kiffé. Et même tous les presets qu'on a choisis sont vraiment lourds. J'en ai découvert en plus dans Pigment et tout. Et l'idée des arpèges aussi, c'était bête d'idée. Et la flûte aussi, sur le refrain, elle est grave lourde. Et les drums classiques. Hein. C'est de la trap, kick, basse, hat. Quelques rolls, j'ai mis un petit effet tricks aussi sur le hat. Voilà, comme ça le fait bugger un peu. Des open hat aussi pour ça donne du rythme un peu, tu vois. Et voilà, après, hein. Et toujours hein, pas mal d'effets, grave important pour que ça, tu vois, ça embellit la prod, ça la rend mieux. Si t'enlèves les effets, après, c'est pas ouf quoi. Je voulais vraiment faire une bête d'instru là parce que faire une instru pour Hamza, je fais pas ça tout le temps. Parce que vu que moi je suis plus dans la drill, faire une instru comme ça là, franchement, ça m'a plu. La mélo, je la trouve lourde de ouf. Et on va voir ce que je peux faire avec, si je peux faire un remix, je vais voir. Juste avant qu'on écoute la prod, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de la prod en commentaire. Si tu trouves qu'on a bien respecté le thème d'Hamza, bien mélodique, est-ce que t'aurais vu quelqu'un d'autre sur l'instru? Dis-moi tout en com. Et voilà, on continue d'être actif. Donc n'oublie pas de t'abonner parce qu'il y a une vidéo qui sort très bientôt. Et c'est parti, on écoute la prod, les gars. Let's go. Ouf, oh là là, la mélo, elle est lourde. Ah, l'idée du piano, c'est bête idée. Eh.